here I am battling drizzle and hair frizz to bring you an exclusive of Tyrus Design Week. I'm here to talk about design versus function. I think a lot of times what happens when people are coming together to put together a prototype is that they think about, you know, which way should they approach it? Should they approach it from the design standpoint, you know, like they just want to create the most beautiful design thing ever? Or do they want to go from the functional standpoint, whereas it's the best performing thing ever? We're going to talk to two different skateboard manufacturers. These skateboard manufacturers are approaching the mode of transportation two very different ways. You have one, Minka Skateboards, where it comes from a very design-focused sort of way. And you have Baisonville, who comes from a very function-focused sort of way. Alors, Minka Skateboard a été créée il y a environ 3 mois. Donc on est 2 cofondateurs. Il y a Kevin qui lui vient du milieu du skateboard et moi je suis designer textile. Donc vous avez fait le textile avant que fait le skateboard? C'est ça. Oui. Donc, ouais, moi je suis designer textile et c'est pour ça que notre première collection qui s'appelle Héritage, oui, tous les motifs de la collection sont inspirés de l'industrie textile. Deuxième chose, c'est qu'on a travaillé cette première collection avec des planches des années 70, des planches de collection qui viennent de Californie. Ah d'accord. Et pourquoi cette planche-là? Parce que c'est l'héritage de skateboard. Héritage, et le hasard a fait qu'on est tombé sur ces planches-là qui n'étaient pas utilisées. Ouais. Et que quelqu'un nous a revendues et nous, on a eu envie de les retravailler et d'apposer nos designs sur les planches. Ah d'accord. Il y a combien de différents modèles de skateboard? On a 8 cruisers. Oui. Parce que ça, c'est des cruisers. Ça, c'est le cruiser. Cruiser, c'est fait pour rouler. Ouais. Donc, juste pour glisser, pour se déplacer. D'accord. Et c'est pour ça qu'on les grave à la laser. C'est une technique qui est assez coûteuse. Ah. Mais on peut se permettre de les graver parce qu'on ne va pas abîmer le dessous quand on va juste rouler, juste faire du cruiser. Ouais. Cela, c'est le cruiser. Cela, c'est le cruiser. Il y a un autre board, c'est ça? Ouais, il y a les planches de street, elles sont seulement imprimées parce que une planche de street, bah, vu qu'on va, on va plus l'abîmer en faisant des figures. Ouais. Voilà, c'est l'idée, c'était de faire aussi des planches plus abordables pour une utilisation différente. Board, vous avez d'abord le design ou le skateboard? Quel est l'idée avant? En fait, moi j'ai fait une partie de mon sujet de diplôme était sur la transmission d'accord. De l'héritage et j'avais déjà commencé à travailler avec des dentelles, etc. Mm-hmm. Et, mais par contre, je ne les avais jamais gravées à la laser et c'est le fait de travailler avec du bois et des skateboards qui nous a donné, avec Kevin, l'idée de graver de la dentelle sur du skateboard. En fait, ce projet, c'est vraiment la rencontre entre nos deux univers, moi le textile et lui le skateboard. D'accord. Et qui a créé notre projet en fait. Qui fabrique le skateboard, c'est vous-même? Nous, on les grave. Oui. Donc les skates, nous, on les avait en planche comme ça, nues. Oui. Et nous, on les grave encore nous-mêmes et on les grave dans un Fab Lab. C'est un endroit où en fait, on peut utiliser des machines à commande numérique. Ah, comme un draft, that's... exactement, c'est une sorte de Fab Lab en fait. Okay. Et nous on en a un dans notre ville et on va utiliser la machine et c'est nous qui faisons nos propres réglages. On fait les calages et en fait ils nous apprennent à utiliser la machine. Ouais. Et après on est autonome et on vient et on paye l'heure d'utilisation machine mais on ne fait pas faire par quelqu'un d'autre. Donc c'est nous qui gravons nos... Ça c'est impressionnant. Donc c'est surtout Kevin d'ailleurs qui grave les planches et c'est très compliqué de caler le motif sur la planche. Ouais. Ah d'accord. Et je crois que c'est tout. J'ai pas d'autres questions ou j'ai pas de mots. J'ai perdu le mot pour la question. Donc bah, merci beaucoup. Bah, de rien. I can't with this anymore. Moi, je vais mettre le micro-ondes. Ok. Ça, c'est le... C'est la musique de ça. Oui, c'est ça. C'était quoi la chose que vous avez pensé avant que vous avez créé cette marque?
présent. Avant de la créer. Oui, avant. Comment l'idée est venue, quoi. Oui, voilà. Aide-moi, s'il vous plaît. Ouais, pas de problème. En fait, j'ai étudié un petit peu comment concevoir un skate pour la balade. Et en pratiquant avec Anne pas mal de skate, on va visiter quelques villes comme ça en skate, on passe des vacances en skate. Attends, vous avez passé les vacances en skate? Oui, j'ai passé les vacances en skate. Maintenant c'est le skate avec vous chaque fois. Maintenant c'est le skate avec nous. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que le skate ça pouvait devenir encombrant. Tant qu'on est dessus, ça va. Ouais. Mais dès qu'on doit le porter, aller au restaurant, boire un verre, c'est encombrant. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée, enfin on l'a eu ensemble, je me suis dit il faut que je trouve le moyen de faire une poignée sur le skate, quelque chose de plus facile pour le porter. Donc ouais. C'est pour ça que j'ai imaginé un trou dans le nez, un trou dans le nose du skate. Ouais. Et qui va permettre justement de le porter plus facilement quand on est à pied. Et du coup, ce trou, ça a amené également d'autres idées après, quand on est venu. Comme par exemple, on a un petit cadenas. Ah, ok. Vous vendre ça avec le... Ouais. Plus tard, oui. Okay. On va essayer de développer des accessoires graphiques et sympas autour de... Ça, c'est le marketing, ça. C'est vous, moi. Ça. Voilà. On va aller au cinéma, au restaurant. Ouais. Je peux l'attacher dans la rue et partir tranquille. Également, par exemple, on trouve dans le commerce aussi des petits accessoires qui sont comme ça. Hop, je peux le fixer et puis rouler la nuit pour rentrer le soir. Mais, ça, c'est trop bien. C'était vous qui pensez de celui-là aussi? Oui, je le trouve dans le commerce. Hein. Ah, d'accord. Je le trouve dans le commerce, mais bon, j'ai longtemps cherché. Mais voilà. Et l'idée, c'est qu'en fait, autour de ce trou, autour de la balade et de la visite, c'est améliorer la façon de le porter, lui mettre des accessoires, pourquoi pas une corde et en faire une sangle. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça l'idée du Baisenville. Est-ce que c'est plus important pour vous pour fabriquer le meilleur skateboard ou pour faire un design génial? Le meilleur skateboard. Ouais. Chose importante, je souhaitais que les skates soient fabriqués en France. Est-ce que c'est fabriqué en France? Ils sont fabriqués en France. Cool. Ils sont fabriqués en France, dans le sud de la France, oui. À Anglet, c'est un peu le pays du surf. Il y a un pays de surf en France. Ouais, il y a un pays du surf. La côte basse. Bien sûr, la côte basse. Et donc c'est un petit artisan qui fabrique des skates. Et il est tout seul et il fait ça de manière... Tout seul, et fait... Ouais, tout seul. Ok. De manière artisanale. Donc c'est vraiment une techno moderne avec telle nose, 7 plis. Ouais. Et donc il y a aussi le design et vous collaborez avec les artistes. Voilà. Alors, et on s'est dit pour le lancement, on allait collaborer effectivement avec des artistes pour avoir des modèles qui sont un peu différents. Donc on a cette collection-là. Ouais. Donc, qui est dessiné par moi, et puis on a ces collections-là qui sont dessinées par des amis. Est-ce que vous pensez que vous allez faire la collaboration dans le futur? Oui, bien sûr. Dans le futur, on va faire des collaborations avec d'autres personnes. Ouais. Et j'espère faire plein de collaborations. Ouais. D'accord. Parce que l'idée du skate, c'est quand même ça, c'est quand même de mélanger des cultures et des univers. Donc il faut pouvoir le faire. Ça, c'est un mission statement. Ah, moi j'ai fait le marketing aussi. Merci beaucoup pour tout ça. Merci trop cool. If you have any questions or comments about design versus function, please leave them in the comment section below. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe if you haven't already. Until next time. I'm gonna die via skateboard and no one will write anything about me. This is so unstable. I can't. I am just not built for this. I am dying. Tiffany. Okay. That's that thing.